Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite présentation ATC de Noël hein, que je viens de réaliser cette semaine hein, avec une collection de papier de chez Stamperia. J'ai aussi également fait des petites cartes, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc je vais vous les présenter plus en détail. Voilà, donc l'ATC numéro 1. C'est celui-ci, 1 sur 6. Hein. Alors j'ai mis de la neige structurée de chez Raillère hein, sur les bords. Donc c'est long à sécher, mais bon. Après j'aime bien l'effet que ça fait irrégulier, j'aime bien. Donc là c'était le 1 sur 6. Là vous avez le 2 sur 6 et un gros flocon et un petit ange. Hein. Le 3 sur 6 hein, avec des oiseaux, un petit cerf. Le 4 sur 6, une petite fille. Hein, voilà. Le 5 sur 6 avec un cerf. Et le 6 sur 6. Voilà. Donc je vous montre les cartes que j'ai réalisées avec, hein, pour aller avec. Hein. Donc là, vous avez. Vous en avez déjà deux là, donc c'est pareil, hein, c'est un reste, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un restant de papier de chez Stamperia. Donc tous les fonds sont identiques, hein, et j'ai juste rajouté des petits bouts de papier que je déchirais et des images de la collection, parce que ben j'avais plus trop de choses, hein, donc voilà, plus quelques petites décos. J'ai mis des trombones hein, sur les côtés pour derrière pouvoir y glisser un tamponnage ou je sais pas une image pour vous mettre le petit mot comme ça la carte est réutilisable. Donc là je vous en ai montré deux, donc la première avec deux petites filles hein, et la deuxième avec le Père Noël. Je dirais que plutôt que ces papiers sont plutôt vintage hein. Après vous me direz ce que vous en pensez. La troisième avec une petite fille hein. Il y a l'ATC qui est identique hein. Après vous avez avec des oiseaux. Voilà. Là, une maison sous la neige avec un cerf et un sapin de Noël. Voilà. Donc là, cette série, je l'ai intitulée Noël blanc. Donc vous voyez, là, ce coup-ci, j'ai marqué derrière parce que ceux d'automne, c'est vrai que j'ai oublié de marquer derrière et ben, c'était un peu embêtant, quoi. Donc, mais là, j'ai pensé vraiment à le mettre, hein. Voilà, donc voilà pour les Noël blancs. Donc j'en ai fait aussi trois sur Noël rouge. Donc je vous montre d'abord les ATC, donc hein, bien rouge évidemment. Donc les papiers sont de chez Action. Les petits sujets, ben je ne peux pas trop vous dire. Hein. Je ne me rappelle plus. Donc j'ai rien acheté cette année. Hein. C'est des petits trucs que j'ai depuis des années et donc je peux pas trop vous dire où c'est que j'ai acheté ça. Donc voilà, il y en a trois. Donc là, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Hein. Voilà. Et avec ces petits ATC, j'ai fait trois cartes. Donc la première, la deuxième et la troisième. Eh bien, écoutez, vous me dites en commentaire ou en message privé, hein, si vous voulez faire un échange avec moi, je vous demanderai de faire un ATC sur Noël aussi. Mais après, si ce n'est pas sur Noël, ce n'est pas bien grave. Hein, je vais vous les remontrer tous. Hein, normalement, je les ai mis dans l'ordre. Donc voilà. Comme ceci. J'ai essayé de changer autrement de faire mes vidéos parce que ça fait la quatrième fois que je recommence et on voit toujours flou. Alors. C'est un peu embêtant. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas trop comment filmer pour que ce soit bien net tout de suite. Hein. Voilà, vous voyez. Et ben sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, ben écoutez, j'attends vos mails ou vos commentaires. Et je vous dis à plus tard. Bisous. Au revoir.